Bonjour, donc moi c'est Magali Testori, je me présente, donc je suis praticienne massage bien-être sur Dole, au 125 avenue Maréchal Juin. Je vous accueille aujourd'hui donc dans mon cabinet qui s'appelle Venez Buller. Donc voilà, dans ma vie perso j'ai deux enfants, donc j'ai un ado de 12 ans et puis j'ai une jeune pépette de 5 ans. Donc ça m'a permis de me poser des questions sur le massage et les ateliers pour les enfants. Donc au départ j'ai commencé à faire un ou deux ateliers au cabinet avec plus des enfants que je connaissais pour faire un petit peu d'expérience avec des enfants assez jeunes. De cette petite expérience, j'ai proposé à l'école maternelle de ma fille de faire des ateliers avec des groupes un petit peu plus grands. La maîtresse était plutôt favorable à cette idée. Donc j'ai débuté avec une classe de moyenne section. C'est pas facile et ça m'a donné une bonne expérience. Au départ, j'ai commencé avec une classe entière dans une petite salle. Ça a été une expérience bruyante, je dirais intéressante, mais bruyante. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je cadre un petit peu plus, que je fasse un plus petit groupe aussi. Donc je suis revenue plusieurs fois pour peaufiner mon atelier. Donc au final je suis partie sur un atelier avec environ 14 enfants, donc c'est déjà pas mal, surtout à cet âge-là. Je fais une partie massage sur des tapis, massage assis, et puis après on s'allonge et je fais un petit peu de relaxinésie. Je fais des petits exercices pour apprendre à se connaître et puis aussi pour se détendre. Donc je fais des exercices sur des rondes, on fait des mouvements. Et puis ensuite je les mets par groupe de deux, on se met sur des tapis, on s'installe. J'ai mes petites tortues qui m'aident, donc les tortues elles font de la musique et on doit toujours entendre la musique pour éviter d'être dans un univers très bruyant. J'ai pris aussi, faites attention à la lumière, essayez de choisir une salle où vous pouvez varier un petit peu la lumière pour que ça soit adouci. La première fois j'ai fait avec des spots, c'était hyper lumineux et hyper excitant pour les enfants. Pareil, j'utilise une petite histoire. On part en montgolfière, on va voir donc les tortues au bord de la mer. Moi c'est mon thème, vous avez toute une palette de thèmes à aborder. Et puis tous les gestes sont faits en fonction de l'histoire. Il y a par exemple les pattes de tortue dans le dos, ça marche super bien. Donc voilà, à vous de créer votre univers. Alors avec les enfants de moyenne section qui sont quand même assez jeunes, je fais des ateliers qui vont durer 15 à 20 minutes. On a envie de faire plus, mais c'est difficile. Ils perdent leur attention et puis finalement ils vont commencer à s'énerver un petit peu, à rigoler, à partir un petit peu. Il suffit que vous ayez un ou deux électrons libres, comme il y en a toujours dans les classes. Ça peut vite, ils se lassent et puis du coup on finit sur une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise note. Donc 10-15 minutes, c'est super. Les enfants sont ravis, ils en ont assez et ils sont contents de l'expérience et ont envie de leur refaire une prochaine fois. J'ai aussi fait avec des plus grands, j'ai eu la chance dans une école proche de Dole. Là vous pouvez aller jusqu'à la demi-heure, 45 minutes avec des enfants de primaire à partir du CE2, CM1, CM2. Vous pouvez aussi faire avec parents-enfants, c'est hyper intéressant, stressant parce que les parents et les enfants vous observent et puis c'est pas toujours facile de gérer un si grand groupe, mais c'est très très enrichissant. Et alors, pour les parents, j'avais des craintes aussi rapportées par d'autres professionnels, notamment des maîtresses vers qui j'avais pris un petit peu des avis. J'avais vraiment, je le cache pas, des craintes que ça soit un petit peu difficile, qu'il faille gérer à la fois les enfants et les parents. Et j'ai eu une magnifique expérience. Alors peut-être j'ai eu de la chance et je suis tombée sur les bons parents. Moi ça s'est très très bien passé. J'ai pris les enfants en premier, ils ont fait les enfants en duo. Donc et après j'ai invité les parents qu'ils souhaitaient à faire avec leurs enfants.
Et les enfants ont été ravis de faire les massages à leurs parents. Et puis on a inversé les rôles, les parents ont été ravis de s'occuper de leurs enfants. Ça a été un échange très tranquille et tout le monde était content de l'expérience. J'ai eu que des bons retours et j'ai passé un bon moment. Les parents ne ont pas posé du tout de soucis, les enfants ont été très attentifs. Donc pour les ateliers enfants, donc dans les deux groupes, j'ai toujours été accompagnée soit de la maîtresse, soit de la personne qui aide la maîtresse. Moi je pense que c'est intéressant pour plusieurs choses. Déjà, ça rassure les enfants, ils ont malgré tout une personne qu'ils connaissent, une personne aussi qui représente l'autorité. Moi j'ai mon cadre, la maîtresse aussi a son cadre, donc ça permet au niveau des enfants de faire un atelier tranquille. Et puis aussi, il faut le dire, que ça soit pour le massage bien-être en cabinet ou en atelier enfant, dans le cadre du respect de la pudeur de l'enfant et des éventuels soucis que l'on pourrait avoir, des gestes qui pourraient être mal perçus par l'enfant, on ne sait jamais. Moi je pense que c'est mieux d'avoir un autre adulte qui soit là, qui vous aide, mais qui soit là aussi en observateur et qu'il n'y ait pas de soucis avec l'activité que vous proposez. Avec les enfants, je pense que c'est une sécurité qui est quand même importante. Donc avec l'expérience des ateliers enfants, avec la rencontre des parents également, j'ai eu de la demande pour le massage bien-être enfant. Et effectivement, donc je le faisais sur mes propres enfants à la maison et je sais que c'est un bon moment de détente et que les vertus du massage de l'adulte sont largement transposables à l'enfant et même encore plus. De cette demande, j'ai souhaité le développer donc au niveau du cabinet. Donc c'est pareil, j'ai fait mes premières expériences avec mes enfants, de la famille, les enfants des amis. Toujours en présence d'un adulte référent. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une demande. Les enfants aiment beaucoup. Alors j'ai quand même un petit peu aménagé au niveau du massage, c'est-à-dire qu'au niveau de la durée, suivant l'âge de l'enfant, je fais des plus courtes durées. Je fais un massage un peu moins appuyé, je communique un petit peu plus avec l'enfant que je vais communiquer peut-être avec un adulte. Et puis également au niveau du tarif, je fais un tarif plus doux pour que les parents puissent offrir ça à leurs enfants. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, ils sont très spontanés, ils vivent l'expérience et pour moi ça me donne beaucoup d'enrichissement personnel. Au niveau des parents, j'ai plusieurs demandes. Alors j'ai des enfants qui font beaucoup de sport, donc les parents eux-mêmes font du massage sportif et ils ont eu envie de l'offrir à leurs enfants. On a quand même des enfants qui donnent beaucoup au niveau sportif, donc ça a été une demande. Après j'ai aussi pour des enfants qui sont effectivement un petit peu stressés, qui ont du mal à s'endormir, qui des fois sont fatigués aussi, qui fatiguent à l'école, qui ont des angoisses. C'est un petit peu finalement les mêmes demandes qu'on peut retrouver chez un adulte. La durée du massage, j'adapte vraiment en fonction de l'âge de l'enfant. Quand ils sont petits, je préfère faire un massage assez court parce que moi je vois bien, j'ai une fille de 5 ans, elle aime bien un petit moment et puis après, c'est l'âge qui veut ça, ils ont besoin de passer à autre chose. C'est normal, il faut respecter. Je suis très souple quand je prends les enfants, c'est-à-dire que même si les parents m'ont demandé 30 minutes, je préviens les parents, si l'enfant au bout de 15 minutes il en a assez, et il faut le respecter. Il faut vraiment respecter le choix de l'enfant. Parfois c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est une première expérience, l'enfant est jeune, on part sur 10 minutes, 15 minutes et puis il est bien, il a envie d'un petit peu plus de temps, et si le parent le veut, il faut s'adapter aux besoins de l'enfant.
C'est souvent leur première expérience au niveau massage. Ils ont eu parfois un petit peu des massages de papa, maman, mais c'est une autre chose avec quelqu'un d'étranger à eux, sur une table, dans un cabinet. Voilà, on fait des jeux. Parfois, je masse les parents. Des fois, je fais mère-fille, ça m'arrive. Donc, je masse la maman en premier. Pendant ce temps-là, moi, l'enfant fait des mandalas, observe. Des fois, je l'inclus dans le massage s'il a envie. Et puis après, souvent il est content et a envie de vivre lui-même l'expérience du massage.